À travers le monde, la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste un sujet de grande préoccupation. Près de 2,37 milliards de personnes n'ont pas eu accès à une nourriture adéquate en 2020, soit 320 millions de personnes de plus en une année seulement. Aucune région n'a été épargnée. En Haïti, 43% de la population, soit à peu près 5 millions de personnes, se trouvent en situation d'insécurité alimentaire aiguë en phase de crise et nécessitent une assistance urgente pour la période allant de mars à juin 2022. Depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19, les vulnérabilités et les inégalités se sont accrues, en particulier pour les femmes en milieu rural, les enfants et les peuples autochtones. Pourtant, l'engagement de la communauté internationale d'éliminer la faim et toute forme de malnutrition dans le monde reste le même. Des progrès ont été réalisés, mais nous sommes tous d'accord que les principaux facteurs qui compromettent la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde sont quasiment invariables. Et les fléchisseurs économiques sont importants. Citons entre autres les conflits, les chaos climatiques. Toutefois, la pauvreté et les inégalités sont des causes structurelles qui amplifient les effets négatifs des facteurs mondiaux. Partant de tout ceci, à travers le monde, on est unanime à reconnaître que la transformation des systèmes alimentaires est indispensable, comme on l'avait présenté lors du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de septembre 2021. Pour nous, en Haïti, cette transformation devra se faire de manière à adresser trois enjeux majeurs : nutritionnels, socio-économiques et environnementaux. En ce sens, nous réitérons notre engagement à, d'une part, construire la stabilité politique et un environnement sécuritaire afin de faciliter l'approvisionnement des marchés urbains. D'autre part, à développer des outils financiers adéquats pour financer le système alimentaire. Ensuite, à concevoir des stratégies de valorisation plus productive et plus résiliente de nos territoires. Enfin, à adopter de systèmes modernes d'information et de connaissances afin d'améliorer le processus décisionnel et de favoriser les interactions entre l'ensemble des acteurs des filières. À cet effet, je fais appel à un renforcement des programmes de coopération technique de la FAO au niveau de la région, pour aider les pays, selon leurs besoins, dans la formulation des politiques publiques dans le sens de l'objectif de réduction de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition d'ici 2030. Aussi, le gouvernement haïtien continuera à travailler avec la FAO dans le cadre de l'initiative « Main dans la main » qui vise à accélérer la transformation agricole et de développement rural durable. Je voudrais terminer mes propos avec la ferme conviction que durant les discussions et échanges qui vont avoir lieu tout au cours de cette conférence, un consensus régional sera trouvé sur la manière
dont la FAO pourra accompagner les différents pays de la région en vue d'assurer à toutes et à tous la sécurité alimentaire, une meilleure nutrition et une alimentation saine et abordable, indispensable à une croissance économique soutenue, du progrès social et de paix de manière durable. Je vous remercie.